Là, je suis juste à côté du métro. Quelle est votre urgence? Je viens de sortir du métro, il y a eu une explosion. Il y a de la fumée partout! J'ai la peau brûlée, les yeux qui me piquent. Je sais pas quoi faire, je vais où? Je te confirme qu'il y a un événement dans le métro Berry-UQAM ce matin. Avec de nombreuses victimes, donc il y a des victimes qui pourraient se rendre à la salle d'urgence à Saint-Luc dans les prochaines minutes. Déclenchez le code orange et préparez vos équipes de décontamination. Les autobus sont en place. Merci Bernard. Effectivement, heure intense au centre-ville ce matin. Alors à 9h30, un code orange a été déclenché suite à un incident impliquant un agent chimique. On est presque rendu. L'agent chimique aurait été libéré mécaniquement, suivi d'une explosion. Plusieurs victimes se sont rendues par elles-mêmes à l'hôpital Saint-Luc du CHUM à Montréal avec des signes de contamination. Plus tôt ce matin, on a pu voir plusieurs instances municipales et provinciales unir leurs forces et s'activer à mettre en branle tout ce processus. Je me suis entretenue avec les représentants de ces organisations qui mettront en lumière tout le processus de décontamination. Dans la situation de tous les jours à l'urgence, la plupart des patients, on peut les traiter de façon régulière. Mais s'il y a beaucoup de blessés qui arrivent ou beaucoup de patients qui arrivent rapidement, ces ressources-là deviennent insuffisantes. Alors, c'est à ce moment-là que le centre hospitalier déclenche le code orange. Le code orange nous permet, dans les centres hospitaliers, de ravoir ou de rappeler plein de personnel et des ressources matérielles également qui sont importantes pour traiter plus de patients. Alors, on se rappellera l'événement qui s'est produit au Japon en 1995 lors de l'attaque au sarin. Alors, on remarque que lorsque plusieurs personnes se rendent d'elles-mêmes à l'hôpital avec des signes de contamination, eh bien, on fait bel et bien face à un événement majeur. Alors, c'est important de mettre en branle rapidement tout le processus de décontamination. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le processus là, des étapes de décontamination? Dans un premier temps, suivant la réception d'un avis d'un événement important pouvant induire une contamination, l'ensemble des premiers recevants, en fait, c'est les gens qui exercent les fonctions de décontamination au centre hospitalier, doivent s'affairer rapidement à bloquer l'ensemble des accès du centre pour éviter de compromettre la sécurité tant des occupants que de l'infrastructure. Ensuite de ça, les agents de sécurité, c'est eux qui vont s'assurer, en fait, de maintenir tous les accès bloqués. Dans le cas qui nous occupe, nous avons exercé la décontamination dans un autobus. Par contre, il faut se rappeler des principes qui gouvernent la localisation d'un emplacement. Et dans le cas précis ici, en fait, c'est d'avoir un emplacement qui est à proximité de l'urgence afin de transférer les patients selon leurs priorités cliniques. Mais chaque centre hospitalier, selon leurs particularités de leur environnement physique, doivent choisir un emplacement comme une tente à l'extérieur, le garage des ambulances, une aire de décontamination qui serait spécialement prévue à cet effet-là. Une fois que le périmètre est érigé autour de l'hôpital, le personnel doit se préparer à procéder à la décontamination. Alors, ils doivent se vêtir d'un appareil afin de se protéger contre les risques de contamination et pouvoir traiter les victimes qui vont arriver à l'hôpital. Alors, il est essentiel pour eux qu'ils portent aussi l'appareil de protection respiratoire à épuration d'air motorisé. Donc, cet appareil respiratoire-là a certains inconvénients aussi au niveau de la communication. Alors, les divers intervenants doivent aussi se trouver des stratégies pour communiquer entre eux. Thank you.
L'ensemble du processus de décontamination s'exerce dans deux zones distinctes. La première est la zone de décontamination, à l'intérieur de laquelle il y aura les patients contaminés, et il y a la zone post-décontamination qui permettra d'accueillir, en fait, les patients qui auront subi le processus de décontamination. La première aire à laquelle on devra s'attarder est l'aire de réception des victimes. C'est l'emplacement où seront dirigées l'ensemble des victimes qui arriveront par leurs propres moyens au centre hospitalier. On vient de l'explosion dans le métro. Vous en avez bien les autobus! Non, non, regardez, nous on veut rentrer à l'urgence, je veux voir un médecin, voyez-vous, elle n'est pas capable, elle ne se rendra pas! Allez, bien les autobus! Mais pourquoi on ne peut pas y aller? Vous avez contaminé tout le monde! Ça n'a pas de bon sens, moi je veux aller! Allez, vous en bas, les Mais sont où les médecins? Sont où les urgentologues? Quelque chose? Tout là-bas! Allez là-bas! Allez, viens avec moi. On arrive, on arrive. Ça c'est... Alors, avant d'entrer dans l'hôpital, il est bien important que les victimes soient dirigées vers la zone de décontamination. Aucune victime ne rentre dans l'hôpital sans être décontaminée. Et les patients qui arrivent en ambulance, normalement, sont tous décontaminés sur le site. Advenant le cas où ils ne seraient pas décontaminés, à ce moment-là, ils devront passer par la même zone de décontamination avant d'entrer dans l'hôpital. La zone de décontamination est là aussi pour protéger contre la contamination secondaire pour les patients de l'hôpital, pour le personnel de la santé et aussi l'environnement physique de l'hôpital. Alors après la zone de réception des victimes, on passe à la deuxième zone, qui est l'aire de pré-triage. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Chaque patient est trié et envoyé à la douche de décontamination selon leur ordre de priorité, selon leur état clinique. Les victimes les plus blessées vont passer en premier pour ensuite être dirigées à l'urgence en premier. Comme je t'ai dit, dans deux petites minutes, l'importance... Avez-vous vu? J'ai pas vu personne. C'est un gros événement. L'important, c'est que vous restiez ici pour pas contaminer d'autres personnes. Que fait-on dans une situation où l'état de santé de la victime se dégrade et nécessite des soins d'urgence? Il y a des zones grises très importantes. C'est des décisions de vie et de mort que cette équipe-là prend. Et tout repose sur la disponibilité des ressources. Des fois, on est obligé de garder les ressources pour en sauver deux au lieu d'en sauver un. Alors, ce sont des décisions qui sont très difficiles et c'est effectivement une zone grise. Par contre, il faut être clair que le premier principe, c'est celui qui prime. Si on n'a pas l'information sur l'agent contaminant, on assume le pire et le patient ne doit pas entrer dans l'urgence, dans l'hôpital, sans être décontaminé complètement. J'abreu! Oui, je sais. Avez-vous la poitrine? Oh, j'abreu! Ça va-t-il arriver à un moment donné? On essaie de sauver le plus de monde possible. En fait, la troisième aire est l'aire de déshabillage. C'est l'emplacement où les personnes ambulantes pourront se dévêtir et les personnes non ambulantes seront dévêties par les premiers recevants. Il est important d'assurer l'intimité au travers de ce processus et qu'on sépare les genres, donc les hommes, les femmes et les personnes non ambulantes de manière distincte. Alors, le processus de déshabillage est une étape prépondérante à l'intérieur de la décontamination qui permet de retirer jusqu'à 90 % de la contamination sur le patient. Il est très important dans le processus de déshabillage que le chandail et autres vêtements soient retirés du haut vers le bas pour éviter qu'il y ait un contact facial avec l'agent contaminant et de cette façon-là empirer l'état du patient. Alors, les victimes devront mettre l'ensemble de leurs vêtements à l'intérieur d'un sac. Pour vous déshabiller, pour passer à la douche. Et après ça, vos appareils, on va mettre. Je ne veux pas le donner. Hein? Je ne veux pas le donner. Mais là, vous n'avez pas le choix, mais vous allez sous la douche. Nous passons ensuite à l'aire de brossage et de lavage. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce qui se passe dans cette aire? Oui, dans l'aire de lavage-brossage, nous allons prioriser l'auto-décontamination. Cette façon de faire permet une plus grande latitude et moins de ressources, en fait, pour procéder à l'ensemble du processus de décontamination. Afin d'assurer un confort minimal aux patients et d'éviter une hypothermie, la température de l'eau doit être autour de 29 degrés Celsius. Après le lavage, les victimes entrent dans la zone de post-décontamination, étant donné qu'ils n'ont plus de contamination sur eux. Alors, ils rentrent dans l'aire de transition qui permet d'éviter un embouteillage entre l'emplacement du lavage et brossage et la portion où les gens seront rhabillés, soit l'aire de rhabillage, séchage. Comment? Les infirmiers sont dans l'autobus. Les infirmiers sont là, OK.
Une fois arrivés à l'urgence, les infirmières qui sont dans l'aire de triage doivent attribuer un code de triage au patient en fonction de sa priorité et puis en fonction de signes et symptômes bien déterminés dans l'échelle de START, finalement. C'est une échelle de triage qu'on appelle START pour les adultes et JumpStart, dans le fond, pour les enfants. Le patient qui arrive, qui marche, il va être côté vert automatiquement. Alors, les patients qui sont plus ou moins capables de répondre aux questions, mais qui respirent quand même bien et que l'état de santé est quand même relativement stable, vont être jaunes. Pour les patients en rouge, les patients ont un rythme respiratoire très accéléré, plus grand que 40, leur état de conscience est altéré et demandent des soins quand même immédiats. Pour ce qui est des noirs, c'est les patients dont les chances de survie sont très minces. C'est sûr que ça va un peu à l'encontre du triage que l'infirmière fait habituellement. C'est un peu contre-intuitif, si on peut dire ça comme ça. Mais quand il y a une arrivée massive de patients, on n'a pas le choix d'y aller comme ça pour sauver le plus de monde possible. On a des zones qui sont attribuées à chaque couleur et où on envoie les patients pour qu'ils soient traités dans les meilleurs délais. On y va, hein? Respirez pas! Alors, les victimes qui arrivent en ambulance sont déjà triées par les ambulanciers, selon la même méthode que nous utilisons, donc la méthode START. Par contre, même si le patient est déjà trié par les ambulanciers, l'infirmière qui est au triage doit procéder à la réévaluation ou en tout cas à l'évaluation du patient tout de même pour s'assurer que son état de santé ne s'est pas amélioré ou détérioré. Alors, en plus de l'événement en soi, j'imagine que tout ce processus doit être très éprouvant pour les victimes. Alors, quel type de support est offert aux patients? En fait, on peut s'imaginer que dans un cas comme celui-ci, il y a beaucoup plus de patients qui vont se présenter dans les centres hospitaliers et dans les cliniques que le nombre de patients qui a été vraiment exposé à l'agent intoxicant. Si on prend l'exemple de l'attaque au sarin dans le métro au Japon en 1995, on avait estimé quelques 5 000 consultations dans les centres hospitaliers et dans les cliniques, alors que seulement environ 1 000 personnes ont réellement été exposées de façon significative. Ce qui veut dire que chaque centre hospitalier doit prévoir dans leur plan de code orange un plan de réponse psychosociale. Et cette réponse-là, en général, comprend les équipes de psychologie, de psychiatrie, des travailleurs sociaux, qui travaillent tous ensemble pour soutenir les patients qui ont été exposés, qui font partie du désastre, mais aussi ceux qui sont juste inquiets. Et c'est normal, il faut s'attendre à ça. Et ça fait partie du plan code orange d'une institution. Alors, on a vu plus tôt un père se présenter avec son bébé. Que fait-on dans une telle situation? Ça prend plus de personnel pour guider les enfants qui se décontaminent, pour les aider aussi à se décontaminer, et c'est là que le parent peut aider. Aussi, quand on parle vraiment de la décontamination du poupon, qui est très particulière, il faut prévoir de l'équipement, un panier particulier pour que l'enfant soit dedans, que le parent ou le personnel médical tienne toujours le bébé avec une main au moins lors de la décontamination, où il faut s'assurer que et l'eau et l'environnement sont réchauffés pour que l'enfant ne devienne pas hypothermique, que les enfants seront plus anxieux et pourront pas communiquer verbalement souvent leur douleur, leur blessure, leur anxiété. Donc, c'est vraiment préférable, si l'état de santé de l'enfant et de l'accompagnateur ou du parent le permet, de garder les deux ensemble. Le processus de coordination et de communication lors d'un tel événement se produit dans l'ère du chef de décontamination. Un tel événement est très demandant pour les personnes qui sont premières recevantes au niveau du centre hospitalier. En effet, ces personnes portent un équipement de protection individuelle qui peut nuire à leur confort sur une longue période. Nous devons donc assurer que ceux-ci recourent à des pauses de manière fréquente et habituelle pour assurer pleinement leur santé et sécurité. Avant d'accéder à l'aire de repos, les premiers recevants pourront eux-mêmes se décontaminer en passant avec leur équipement de protection individuelle sous la douche, ensuite de quoi ils pourront retirer leurs équipements, les mettre dans un sac pour utilisation ultérieure. À la suite de cela, ils pourront être évalués pour assurer que leur condition physique est à 100% conforme à ce qu'il était au préalable. On retrouve également une aire de repos pour les intervenants. En quoi consiste-t-elle? Enfin, l'aire de repos pour les premiers recevants a deux fonctions distinctes.
La première est d'assurer leur santé-sécurité, soit un emplacement où une équipe de secours pourra être présente. C'est aussi l'emplacement où on assurera leur bien-être. Car il faut comprendre que bien que les victimes subissent quelque chose de traumatisant à l'intérieur du processus de décontamination, il n'est pas usuel pour un employé du réseau de la santé d'exercer des fonctions de premier recevant et de revêtir l'ensemble d'un équipement de protection individuelle. Alors, nous avons eu la preuve aujourd'hui que le Réseau de la santé du Québec est bien formé pour prendre en charge la santé de la population lors de malheureux événements. C'était Gabriel Poulain en direct du centre-ville de Montréal. Retour à vous, Bernard.